J'ai fait un atelier de peinture qui était à l'époque l'atelier de Marcel Roche. Il m'a donné une formation de peintre. Je suis essentiellement un peintre. J'ai eu à cette école une formation également d'histoire de l'art et c'est l'association peut-être de la peinture et de l'histoire qui m'a fait déboucher sur les personnages costumé. Est-ce que vous faites un travail de documentation important? Depuis le nombre d'années où je fais ce métier, j'ai accumulé une énorme documentation. J'ai beaucoup de livres, je visite beaucoup de musées. Vous vous occupez de tous les costumes du film. Votre travail, ça consiste en quoi? Eh bien, j'ai d'abord rencontré le metteur en scène, c'est Nina Campanese. Nous avons parlé des personnages. Ensuite, j'ai rencontré les comédiens et maintenant je travaille sur des personnes que je connais. Donc, je travaille en fonction de deux êtres, le comédien et le rôle qu'il va interpréter. C'est important de bien connaître les femmes et les hommes que vous habillez. Je suis incapable de créer un costume sans avoir parlé avec le comédien. Michel Bouquet dans Le Malade Imaginaire, Nelly Borgeau dans Bérénice, Deux filles du port de Maupassant. À partir de ces maquettes, dans l'ensemble, je les fais faire. C'est-à-dire que je m'adresse à des couturières, des couturiers spécialisés qui vont recopier fidèlement les modèles. Nous allons faire aux comédiens des essayages, parce que les costumes d'époque ne sont pas tout à fait comme nos costumes contemporains. Les corps des femmes ont changé par rapport aux époques précédentes? Oui. Chaque époque, le physique change. 1914, bien que l'on commence à abandonner le corset, les femmes avaient encore les cambrures, les volumes, les tours de poitrine étaient beaucoup plus importants que maintenant. Et il faut réadapter les corps de 1979 aux femmes de ces époques-là. C'était très différent. À toutes les époques, ça a changé. Et est-ce que vous aimez aussi habiller les hommes? C'est très intéressant d'habiller les hommes. Ce sont les périodes, naturellement, de la Renaissance qui me passionne le plus, jusqu'au milieu du 19e siècle. Et justement, j'avoue un petit peu qu'en 1914, c'est déjà moins beau. Il y a beaucoup moins d'imagination qu'au 18e siècle. En grand costume 18e, les personnages de La Fontaine, le paon se plaignant à Junon, le corbeau, et le renard. Le lion amoureux. Et sur ce film précis, est-ce que vous faites exécuter les costumes? C'est-à-dire que là, oui, nous sommes obligés de faire faire des costumes, de les faire recopier selon maquette. Mais nous atteignons une période qui est assez proche finalement de nous, qui est cette période de 1914 à 1920. Et j'adore une chose, c'est retrouver chez des antiquaires, au Puce à Paris, un maximum de vieilles affaires, de robes anciennes, authentiques. Car la silhouette et surtout le travail très fin de broderie, quand ce sont des robes du soir. Il n'y avait qu'à cette époque que l'on faisait cela. S'il fallait le refaire faire maintenant, ça coûterait d'abord une fortune et jamais on aboutirait à un travail aussi minutieux. Alors souvent, ce que je fais, c'est de trouver des costumes et de faire un travail de couturier pour les réadapter au corps des comédiennes qui n'est plus tout à fait le même maintenant.
quoi les petits morceaux de tissu qu'il y a sur la maquette? Ça, c'est un échantillonnage. Je choisis ce qui correspond à la maquette. Alors là, c'est un drap qui est assez sec parce que j'aime bien mélanger l'aspect sec des tissus et l'aspect un peu doux des lainages. C'est beaucoup plus joli, ou des soies. Alors voilà, ça c'est la bille à la française, qui est donc dessous. Là on le voit, on reconnaît à peu près les couleurs. Ensuite il y a le manteau est gris, comme ça c'est un lainage qui est assez doux à l'œil, je trouve. Et le gilet est légèrement soyeux. C'est un chantoum. Alors avec ça, j'avais choisi, parce que c'est une maquette un petit peu ancienne, j'avais choisi un pantalon, la culotte, pardon, à la française toujours, qui était en drap, à peu près du même ton, un tout petit peu plus relevé, parce que ça donne un côté un peu gommé de la culotte, ce n'est pas l'élément essentiel. Les chemises étaient en soie ivoire, parce que pour le visage, même sur scène, j'adore utiliser les tons un petit peu ivoire, c'est moins violent. Parce que ça, c'est une maquette qui a servi au rustre, c'est le personnage de Canciano, et c'était Piermondi qui l'a porté. Est-ce que quand vous habillez une comédienne, vous devez tenir compte de ses goûts à elle, de ses préférences, de ses humeurs? Oui, parce que de toute façon, c'est elle qui va porter le costume et qui va le faire vivre. Donc, il faut que je tienne compte de son caractère, de sa façon de bouger aussi. Quand vous dessinez ces maquettes, est-ce que c'est la même chose que si vous prépariez une collection de mode? Non, pas du tout, parce qu'une collection de mode, c'est vraiment quelque chose d'impersonnel. Enfin, on ne connaît pas les personnes pour lesquelles on travaille. Tandis que là, c'est un personnage, qui a son histoire, que je connais. Par exemple, ce personnage est une toute jeune fille. Alors, vous voyez, elle a une petite robe du matin. Là, elle a les cheveux très longs, c'est très important. Surtout à cette époque-là, on remontait ses cheveux quand on était une femme déjà un peu plus âgée. Là, autre costume, elle est au bain, c'est la plage. Ici, elle part à Paris. Elle part à Paris parce qu'elle a 18 ans, qu'on va la présenter dans le monde. Elle va avoir son premier bal. Ici, voilà le premier bal. Alors, une robe très vaporeuse, très légère, la taille haute, comme on faisait en 1914. C'était très, très joli, d'ailleurs, comme époque. C'était très flatteur. Là, mademoiselle se fiance. Alors, c'est un costume tout blanc. Tout blanc, parce qu'elle va se marier en 14, pendant la guerre, même en 1915, en pleine guerre. Là, elle n'a plus les moyens de faire des robes. Et elle va mettre la robe de sa mère, c'est-à-dire 1890. Qui va être ivoire, parce que c'est une vieille robe ancienne. Là, elle a perdu son mari, elle est veuve, et elle a même perdu son père. Elle quitte la région de Deauville, on la retrouve à Paris. Et là, elle oublie, elle essaie tout au moins d'oublier. Et elle se jette dans une vie de soirée, dans les dancing, et elle passe un moment très très difficile de sa vie. Puis on la retrouve un petit peu à la fin, pas tout à fait à la fin, mais dans les derniers instants, elle est devenue vendeuse dans une librairie et elle est donc redevenue assez sévère. Elle porte un demi-deuil et ensuite on la retrouve à Deauville. Mais je vous raconte quand même pas tout à fait la fin de l'histoire. Théâtre ne vous laisse pas une plus grande part d'imagination? Je crois qu'on a l'imagination dans les deux cas. Au théâtre, le jeu des couleurs est peut-être certainement plus subtil. D'abord parce qu'en principe, on peut faire tous les costumes, justement pour qu'il y ait une très grande homogénéité de couleurs et de conception du
une palette. L'on est également un petit peu plus libre. Enfin, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, moi, au théâtre, me permettait d'être un peu plus fou. Je fais les maquettes de façon très précise pour concrétiser une idée que j'ai parfois du mal à exprimer, car ça reste abstrait, envers un metteur en scène ou un comédien. Et je crois que de préciser cette idée par une maquette, l'on arrive à beaucoup mieux transmettre au comédien et au metteur en scène ce que sera le personnage dans sa forme finale.